أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا رب أجرنا من النار بعفوك وأدخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار أيها الإخوة الكرام لازال بنا الحديث متواصلا في عقبات التوبة قلنا أن المسلم التائب إلى الله الذي يسير في طريق التوبة والعودة والإنابة إلى الله عز وجل سيجد عقبات في طريقه تريد أن تحول بينه وبين التوبة إلى الله عز وجل من أعظم هذه العقبات ألا وهي عقبة الشيطان الرجيم بعد ذلك العقبة الثانية التي يجدها في طريق توبته ألا وهي عقبة النفس الأمارة بالسوء ثم بعد ذلك ينتقل إلى عقبة أخرى ألا وهي عقبة حب الدنيا واليوم بإذن الله سنتحدث عن عقبة رابعة ألا وهي الرفيق السوء أو الرفقة السيئة فرفيق السوء يحول بين العبد وبين توبته إلى ربه إن شاء الله mes frères Toujours on parle sur des difficultés qu'on peut trouver dans le chemin de repentir. On a parlé sur la première difficulté, c'est le diable avec ses pièges. Deuxième difficulté, c'est ton âme qui t'ordonne de faire le mal. La troisième difficulté, c'est l'amour de dunya. Et aujourd'hui, on va parler sur la quatrième difficulté, c'est la mauvaise fréquentation. Le mauvais copain. Il y a des bons copains. Il y a des mauvais copains. Il y a une mauvaise fréquentation, il y a une bonne fréquentation. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a donné un exemple sur le mauvais, la mauvaise fréquentation et sur la bonne fréquentation. Faqala lana, matalu al-rafiq al-salih wa al-rafiq al-su' ka matali ba'i'i al-miski wa nafikhi al-kir. Le prophète alayhi sallatu wa sallam, il nous a donné un exemple sur la bonne fréquentation. Il nous a dit, la bonne fréquentation, il ressemble à un ami à toi qui vend du parfum. Un ami à toi qui vend du parfum. Et la mauvaise fréquentation, il ressemble à un ami qui est forgeron. Son métier, c'est un forgeron. Amma ba'i'ul misk fa imma an yu'tika al misk أو أن تبتاعه منه أن تشتري منه المسك أو أن تجد منه ريحا طيبة Le vendeur du parfum, soit il va te donner un parfum gratuitement, soit tu vas acheter un parfum, soit tu vas sentir une bonne odeur. Trois choses. Le forgeron, soit il va brûler tes vêtements, soit tu vas sentir une mauvaise odeur avec lui. Enfin, la mauvaise fréquentation, c'est vraiment une difficulté très, très, très difficile à dépasser dans le chemin de repentir. Il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes, quand ils font un repentir, ils font un repentir tout seul, pas avec ses amis. Mais ils commencent. Ils commencent à prier, ils commencent à lire le Coran. Il commence à se comporter bien avec ses parents, il a arrêté de fumer, il a arrêté chicha, il a arrêté de fréquenter les mauvais endroits. Mais à un moment, il va se retrouver seul. Il est nouveau dans la mosquée, par exemple, il est nouveau dans le chemin de repentir. Il ne connaît pas encore les bonnes fréquentations, il ne connaît pas les gens de la mosquée, il n'a pas des amis qui sont dans le droit chemin, tous ses amis, ils sont encore dans le péché. Ils sont encore dans le mauvais chemin. Alors de temps en temps, qu'est-ce qu'il va penser? Il va penser à guider ses amis. Il va penser, il va partir, Shaitan, la'anahullah, il va lui dire maintenant,
toi, tu es dans le droit chemin. Alhamdoulilah, tu fais tes 5 prières, tu lis le Coran, tu as arrêté la cigarette, tu as arrêté ça, tu as arrêté ça. Alors pourquoi tu ne fais pas de da'wah à tes amis? Pourquoi tu ne fais pas de da'wah à tes amis? Tu vas les ramener comme ça, tu vas les trouver, alhamdoulilah, dans le droit chemin. Vous avez l'habitude de marcher ensemble, de sortir ensemble, de voyager ensemble, de discuter ensemble, de manger ensemble. Maintenant, tu es tout seul. Alors essaie de les attirer vers toi. Et c'est ça qu'il va faire. Il va continuer de partir. Il va partir, il va s'asseoir avec eux. Et qu'est-ce qui va se passer là? Eux, ils vont lui faire un rappel, ils vont le rappeler du passé. Ce qu'on a fait, on est parti là-bas, tu te rappelles, et son cœur, il commence à sentir, il commence à souhaiter de retourner vers le passé. Le péché, quand l'être humain il fait un péché, le péché il laisse des traces dans le cœur. فَيَتَذَكَّرُ مَا كَانَ يَفْعَلُهُ مِنَ الذُّنُوبِ وَالْمَعَاصِي فَيُحَاوِلُ أَنْ يَجُرَّهُمْ فَيَقَعُ فِي الْمَحْظُورِ وَيَقَعُ فِي كَسْرِ تَوْبَتِهِ وَيَنْقَطِعُ عَنِ الطَّرِيقِ. فلذلك, le premier conseil pour quelqu'un qui fait un repentir, c'est de changer ses amis à 100%. Tu dois changer tes amis. Tu n'es pas prêt encore de faire un rappel à tes amis. Il faut préparer ta foi. Il faut marcher vers le chemin du repentir. Il faut renforcer ta foi. Il faut trouver un groupe de croyants qui sont dans le même chemin. Après, tu peux partir vers tes anciens amis, mais tu ne pars pas tout seul. Il faut ramener avec toi d'autres personnes. D'autres personnes qui vont te sauver. Le minimum, si tu n'arrives pas à les guider, tu vas sortir sain et sauf. Et tu vas revenir sain et sauf. Et tu vas rester dans le droit chemin. Validalik, beaucoup de personnes, ils posent la question, comment je sais que cet ami, c'est une mauvaise fréquentation pour moi? Est-ce qu'il y a une différence entre le bon copain et le mauvais copain? Alors comment je fais la différence entre les deux? Al-ulama, ils nous ont donné deux signes. Il y a deux signes de la mauvaise fréquentation. Rafiq Ossou, Yahtawi, Ala Sifatayn. Une personne, un ami à toi, qui est mauvais pour toi, il a en lui deux défauts. Vite, tu vas les griller. Rafiq Ossou, Yamshi Ma'aka, Ala Maslahatihi Fakat. Rafiq Ossou, يمشي معك ويأتي إليك ويتعاون معك ويأكل معك ويسافر معك لمصلحته الخاصة ولمنفعته الذاتية. Une mauvaise fréquentation, un mauvais copain, c'est quelqu'un qui te fréquente et qui marche avec toi, qui voyage avec toi, qui dort avec toi, qui mange avec toi pour ses intérêts personnels. Il cherche rien. Il cherche quoi? Il cherche ses intérêts personnels. Et ça, quand il a besoin de ses intérêts, il va t'accueillir avec un visage lumineux, souriant. Il sera doux avec toi, parle avec toi, patiente avec toi. Il fait ça pour profiter de toi. Le mauvais copain, c'est un profiteur à 100%. يَتَّبِعُكَ لِمَصْلَحَتِكَ وَلِمَنْفَعَتِكَ فَقَطْ لَا يَأْمُرُكَ بِالْخَيْرِ وَلَا يَنْهَاكَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَا يُعِينُكَ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ وَلَا يُعِينُكَ عَلَى الْإِبْتِعَادِ عَنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ بَلْ يَتَّبِعُكَ لِمَصْلَحَتِكَ. C'est un profiteur, c'est un pire profiteur. لا يهمه أن تصلي ولا أن تصوم ولا أن تركع ولكن همه الوحيد هو مصلحته الذاتية. Il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça. Il est avec toi, mais deuxième signe, et c'est ça que tu vas griller, que c'est un profiteur,
أنه ليس فيه الوفاء والولاء لصديقه. إذا وقع صديقه في مشكلة أو في ورطة تخلى عنه، ليس وفيا للصداقة. Deuxième signe, quand tu te retrouves dans une difficulté, il va te délaisser. Il va te négliger. Il va tourner son dos. Il ne te connaît pas. Il est avec toi, avec toi, avec toi. Tu tombes dans une difficulté. Qu'est-ce qu'il va faire? يَتَبَرَّأُ مِنْكَ. Il va tourner son visage. Il ne te connaît pas. لَا يَعْرِفُكَ. Il ne peut pas témoigner avec toi. Et il ne peut pas t'aider. Il ne peut pas te soutenir. لَا يَهُمُهُ شَيْءٍ. C'est bon. Vous marchez ensemble. Tu tombes dans un trou. Il continue son chemin. Il ne veut même pas te tendre la main pour te sortir. Il va venir à un étranger qui a dans son cœur la miséricorde, il va te tendre sa main, il va essayer de te sauver. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il tourne son dos et il continue son chemin. فَلِذَلِكْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَنْ أَكَلَ أَكْلَةً بِأَخِيهِ الْمُسْلِمْ أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِثْلَهَا فِي نَارِ جَهَنَّمْ وَمَنْ لَبِسَ كِسْوَةً بِأَخِيهِ الْمُسْلِمْ أَلْبَسَهُ اللَّهُ مِثْلَهَا مِنْ نَارِ جَهَنَّمْ. Qu'est-ce que ça veut dire cette parole-là? مَنْ أَكَلَ أَكْلَةً بِأَخِيهِ الْمُسْلِمْ. Celui qui a mangé un repas à cause de son frère musulman ou bien sur le dos de son frère musulman, Allah, il va lui donner un repas à l'enfer. Et celui qui a acheté des vêtements sur le dos de son frère musulman, Allah Ta'ala, il va lui donner des vêtements à l'enfer, le jour de la résurrection. Qu'est-ce que ça veut dire cette parole? C'est un hadith prophétique. Là, les ulama qalu, la personne, c'est ton ami, il est avec toi. Yakunu sadiqan lak. Avec toi, il marche avec toi, il faut manger ensemble, vous dormez ensemble. Mais on a dit, c'est un profiteur. Un jour, toi, tu vas avoir un problème avec telle personne. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va raconter tes secrets à telle personne pour manger un repas. Il va raconter tes secrets. Il va témoigner contre toi avec telle personne. Pourquoi? Pour lui acheter des habits, pour un billet, pour un travail, pour ça, pour ça. Ça veut dire qu'il va te trahir, il va gâcher tes secrets. À cause de quoi? Pour manger un repas, pour un sandwich. Pour un sandwich de 5 euros, il va te vendre, il va gâcher tes secrets et il va faire un faux témoignage contre toi. Aujourd'hui, c'est ton ami, demain, il va s'allier à ton ennemi. Il va s'allier à ton ennemi contre toi. Il y en a beaucoup de personnes qui sont comme ça. فَلِذَلِكْ الْمُسْلِمْ لَا بُدَّ أَنْ يُحْسِنَ اخْتِيَارَ صَدِيقٍ. Le musulman, il doit être intelligent. Tu fréquentes des gens, il y a des gens qui sont en train de couler, ils cherchent à te ramener avec lui. C'est bon. Il veut. Toi, tu veux tendre ta main pour le sauver. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il pense, il réfléchit à te tirer vers lui. فَلِذَلِكْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ. Toi, tu ne sais pas nager. Il y a des gens qui demandent secours au milieu de la mer. Est-ce que tu vas là? Toi, à peine, tu peux sauver ta propre. Est-ce que tu vas là? Tu vas les aider. إِذَا دَهَبْتُ تَغْرَقُوا مَعَهُمْ. فَلِذَلِكْ jamais il faut partir seul. Jamais on a dit, il faut retourner à ta mauvaise fréquentation seul. Et si tu vas découvrir que cette personne, c'est un profiteur, et c'est quelqu'un qui cherche à ses intérêts personnels, et le moment de difficulté, il tourne son dos, il va me trahir, alors le mieux de d'écarter son chemin. فَلِذَلِكْ يَقُولُ أَحَدُ الْعُلَمَاءِ رَفِيقُ السُّوءِ إِذَا نِمْتَ مَعَهُ أَوْ صَافَرْتَ مَعَهُ فَكَأَنَّمَا تَنَامُ مَعَ حَيَّةٍ أَوْ ثُعْبَانٍ. Les savants, ils ont dit, le mauvais copain, si tu voyages avec lui, ou bien tu dors avec lui, ou bien tu manges avec lui, c'est comme tu es en train de manger avec un serpent ou une vipère.
Est-ce que tu fais confiance? Dans une chambre, il y a une vipère, il y a un serpent qui dort avec toi dans la chambre. Est-ce que tu vas dormir tranquille? Si tu dors tranquille, ça veut dire que tu es prêt à être piqué. C'est bon. Tu es prêt à être empoisonné. فلذلك المسلم لا بد أن يختار رفيق الصالح. Alors, le bon copain, c'est quelqu'un qui te guide vers Allah. Si tu es dans le droit chemin, il te pousse, il te courage, continue. Si tu es dans le mauvais chemin, il t'appelle. Il te dit, viens, reviens, tu fais quoi? C'est pas bien. Allah Ta'ala yaqulu fil Qur'an al-Karim. Allah Ta'ala nous a raconté une histoire qui va se passer le jour de la résurrection entre les mauvais copains. Allah Ta'ala yaqul وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا. Le jour de la résurrection, il y a beaucoup de personnes qui vont mordre leurs mains. Il va mordre sa main comme ça. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, malheur à moi, pourquoi je n'ai pas suivi le chemin du prophète? Pourquoi j'ai suivi mon ami? Et il m'a égaré, j'étais dans le droit chemin, et il m'a égaré. Et il m'a sorti du droit chemin. Et le jour de la résurrection, ton ami, il va rigoler sur toi. Il a rigolé sur toi, fin de dunya, et il va rigoler sur toi le jour de la résurrection, le jour où personne ne pourra t'aider. فلذلك المسلم il doit bien choisir son ami. النبي عليه الصلاة والسلام يقول المرء على دين خليله فليختار أحدكم من يخالل. La personne, il suit la religion de son ami intime. Alors choisis bien ton ami intime, يرحمك الله. Choisis bien ton ami intime. الرفيق الصالح, le bon copain, c'est quelqu'un qui est prêt à sacrifier son temps, son argent, tout ce qu'il a combien pour t'aider à continuer ton chemin de repentir. يقول أحد الشعراء أخوك الحق من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك. أخوك الحق, ton vrai copain, c'est quelqu'un qui est tout le temps avec toi et qui est prêt à supporter le mal pour te sauver et pour te t'aider. Il est prêt à supporter le mal. أخوك الحق من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك ومن إذا ريب الزمان صدعك شتات فيك نفسه ليجمعك. Le bon copain, c'est quelqu'un qui est prêt à sacrifier son temps, sa famille, toutes choses pour que toi tu vis stable et t'es dans une stabilité et t'es tranquille et t'es bien dans ta vie religieuse, dans ta vie privée, dans ta vie professionnelle. Il est là pour toi et il fait ça pour Allah Azza wa Jalla. Et en Allah Azza wa Jalla, يقول الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. Les amis, le jour de la résurrection, ils vont devenir des ennemis, sauf les pieux. Les pieux, ils vont se retrouver sous le trône d'Allah le jour de la résurrection. النبي عليه الصلاة والسلام يقول سبعة يضلهم الله يوم لا ظل إلا ظله. منهم رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه. Le jour de la résurrection, il y a sept personnes qui vont se retrouver sous le trône d'Allah Azza wa Jal, sous l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jal. Parmi les sept personnes, deux amis qui se sont rassemblés pour Allah, ils se sont séparés pour Allah Azza wa Jal. فاللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين, اجعلنا من المتحابين فيك ومن المتجالسين فيك ومن المتذاكرين فيك. وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, والحمد لله رب العالمين. نعم, دعاء السفر إن شاء الله. اللهم يا ربي اجعل سفرهم سفر بر وتقوى. اللهم يا ربي اجعل سفركم سفر بر